Eh bien, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau webinaire. On va attendre, allez, 2, 3 minutes que tout le monde soit présent. On attend une soixantaine de personnes, a priori. Là, vous êtes un peu plus de 30. Donc, voilà. On va se donner, 2, 3 minutes avant de démarrer. Allez, on attend encore 2 petites minutes. Vous êtes 36 désormais. Et on va pouvoir attaquer ensuite. Allez, 37. C'est le moment de faire votre grille de loto. Il y en a qui ont dû se connecter, se déconnecter. Jean-Baptiste et Sarah, quand vous voudrez prendre la parole, pensez à activer votre micro, parce que j'ai l'impression qu'il est désactivé. C'est certainement volontaire, mais voilà, au cas où. C'est bon, ça marche. Allez, on attend encore une petite minute. Je crois que Virginie a laissé un message dans le chat. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Oui. Ouais, c'est bon, merci. Allez, encore, on attend de franchir le cap des 40 et puis on démarrera. On en est à 39 présents. 40, ça y est. Allez, normalement, il y en a encore une vingtaine qui sont censés arriver, mais on va commencer gentiment. Donc, bonjour et bienvenue à ce nouvel atelier. Donc, des ateliers Happy Day chez vous de cet automne. Vu le contexte, eh ben, on a remis ce qu'on avait fait ce printemps. Et cet automne, la majorité des ateliers sont dédiés aux outils de collecte Happy Day. Donc, vous avez eu déjà un atelier sur l'extranet de mise à jour Happy Day. Il y aura un autre atelier sur l'extranet de traduction d'ici peu. Et puis, on a fait appel aux fournisseurs de services de l'écosystème Happy Day. Pour que tous les fournisseurs qui sont déjà sociétaires de la SIC et qui étaient désireux puissent venir vous présenter leur solution. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième fournisseur après CPA, la société Authentique, à venir nous faire sa présentation. Donc c'était des ateliers proposés à l'initiative de Savoie Mont-Blanc Tourisme. Et on est content de vous voir aussi nombreux et on espère que ben, vous en tirez le meilleur profit. Donc, je vais presque m'arrêter là. Je remercie aussi la coordination globale pour son relais d'information afin que les ateliers soient ouverts au plus grand nombre. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne séance. Je vais passer la parole à Sarah et Jean-Baptiste. Et qui vont nous faire rêver pendant l'heure qui suit avec la présentation de leur service. Voilà.
Eh bien, bonne séance et à bientôt. Je vous rappelle que c'est enregistré. Est-ce que tu peux... Alors, je vous laisserai vous présenter après. Jean-Baptiste Sarah, est-ce que tu peux passer à la diapositive suivante, s'il te plaît? Juste un petit rappel technique. Hein, voilà. En haut à droite de votre console, vous avez une petite flèche orange qui permet de rabattre ou d'ouvrir la console. Normalement, vous avez vos micros qui sont fermés par défaut, mais si vous voulez discuter, vous pouvez cliquer dessus. De même que votre webcam. Donc, s'il y en a qui veulent faire un petit coucou, c'est maintenant. Puis après, on vous demandera de les fermer pour limiter la consommation de bande passante et qu'on reste sur une prestation de qualité. Et puis, vous avez un petit chat aussi en bas à droite. Donc, vous pouvez poser vos questions. Virginie, notre speakerine du jour, qui gère l'intendance dans l'arrière-boutique. Fait une synthèse et on y répondra au fil de l'eau. Et puis pour ceux qui le veulent et qui ne sont pas timides, vous pourrez appuyer sur le petit micro. Voilà, je vous laisse vous présenter Jean-Baptiste et Sarah et bonne journée à tout le monde. Merci Cyril. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter OpenEdit, notre outil de collecte des données affiliées. Bonjour à toutes et à tous. Alors, une petite présentation d'Authentique. Donc, Authentique est un éditeur de logiciels spécialisé dans le secteur du tourisme institutionnel. Donc, la structure a été créée en 2013 à Annecy. Et donc, naturellement, on a développé parmi nos offres une offre de services dédiée aux besoins du réseau APIDE. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de nos clients qui sont adhérents au réseau APIDEI. Donc on a des CRT, des CDT, des offices de tourisme. Et donc c'est tout naturellement qu'on développe des outils pour le réseau APIDEI et ses adhérents. Alors, aujourd'hui, donc comme je disais tout à l'heure, on va vous présenter l'outil OpenEdit. Sa mission est double. La première, c'est de simplifier la collecte et l'actualisation de tout type de données auprès des offices. Et puis la seconde, c'est de simplifier les interactions des socio-pros avec leur office de tourisme. Alors, aujourd'hui, donc OpenEdit collecte plusieurs types de données. Donc les données APIDEI de notre présence aujourd'hui ici, mais aussi des données de disponibilité et puis des données d'adhésion ou de cotisation. Avant de passer à la démonstration, on voulait vous expliquer le fonctionnement global d'OpenEdit. Donc OpenEdit démarre toujours par la création d'une campagne. Donc, une campagne va être définie par plusieurs paramètres, par son objectif, par son support, sa durée, sa cible et son contenu. Alors, à titre d'exemple, par exemple, l'objectif d'une campagne va être de collecter des données APIDEI, des données hors APIDEI, des cotisations, des disponibilités ou un mix de ces données-là. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait créer une campagne, ce qui est assez courant d'ailleurs, de cotisation et de collecte de données APIDEI. Donc ça, ce sont les objectifs d'une campagne. Ensuite, donc les cibles d'une campagne. Donc quand vous définissez la cible d'une campagne, on va se rapprocher le plus possible de votre mode de fonctionnement. Donc ça peut être une campagne avec un type d'objet unique. À titre d'exemple, par exemple, vous allez créer une campagne pour les meubler pour mettre à jour leurs données afin d'éditer une brochure spéciale meublée. Comme vous pouvez créer une campagne avec plusieurs types d'objets. Donc, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de limitations. C'est selon vos besoins et selon votre façon de travailler. Ensuite, vous définissez la durée d'une campagne. Là encore, c'est assez flexible. Donc, la durée d'une campagne, elle peut être limitée dans le temps. C'est-à-dire que, typiquement, si je reprends l'exemple des meublés, vous allez créer une campagne qui va durer un mois et qui va se clôturer à la fin de ce mois pour voilà, et vous enchaîner sur votre campagne différente. Ou vous pouvez créer une campagne avec une durée illimitée qui va, par exemple, permettre à vos socio-pros d'avoir toujours accès à leurs données et de les modifier tout au long de l'année.
Ensuite, parmi les paramètres d'une campagne, on trouve le support d'une campagne. Le support, c'est ce qui va vous permettre de communiquer auprès de vos adhérents. Donc, ça peut être un support simplifié, un formulaire simplifié, comme le cas des formulaires COVID que vous avez peut-être expérimenté. Ça peut être votre site web qu'on va interagir avec votre site pour proposer à vos sociaux pros de modifier directement sur leur page dédiée leurs informations, comme ça peut être votre intranet. Typiquement, si vous définissez par exemple une campagne à durée illimitée, vous allez disposer de liens que vous pouvez mettre en place sur votre site intranet pour permettre à vos sociaux pros d'avoir un accès illimité à leurs données. Donc ensuite vient le contenu d'une campagne. Donc quand vous allez créer votre campagne, vous allez définir les données que vous souhaitez modifier. Donc si on reste par exemple sur une campagne type API DI, vous allez pouvoir intégrer des champs standards du type vos descriptifs privés, vos descriptifs longs, pardon, vos descriptifs courts, vos descriptifs longs. Ça peut être des images, des tarifs, des périodes. Donc vous choisissez vraiment à votre convenance les champs que vous souhaitez intégrer. Ça peut être des champs privés, ça peut être des champs thématiques. Vous allez pouvoir aussi gérer tous les aspects, donc été, hiver, affaires, toutes les langues que vous souhaitez aussi. Donc vraiment la campagne dans sa définition de contenu est assez large et vous composez votre support, votre contenu en fonction de vos besoins. Alors, maintenant, on va vous présenter une démonstration de l'outil pour que vous puissiez voir le fonctionnement de ce dernier. C'est Jean-Baptiste qui a présenté. Alors, on a fait le choix de vous présenter les choses avec une démonstration en direct, hein, pour que ça soit un peu plus vivant. Donc, l'outil OpenEdit est relié au système d'authentification d'API DAE. S'appelle le SSO, vous avez peut-être déjà entendu parler, ce qui permet donc de s'authentifier sur l'outil en fait directement avec vos comptes API DAE. Ce qu'on va faire tout de suite. Et donc le tableau de bord de l'outil donc vous présente les différentes possibilités. Alors, pour le contexte de la démonstration, là, on s'est connecté, nous, avec un compte de test. Et donc, on va, comme Sarah le disait, on va entrer dans la gestion des données par le biais des campagnes, qui sont donc le point d'entrée pour modifier les données. Donc, pour créer une campagne de mise à jour, on va donc passer par cette étape-là et on va avoir le choix donc de créer les différents types de campagnes qui sont gérées par l'outil, à savoir mise à jour des adhésions, des informations touristiques ou des disponibilités, comme on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on est plutôt là pour parler des mises à jour des informations touristiques. Et donc, lors de la création d'une campagne, vous allez pouvoir choisir donc un certain nombre de paramètres. Avec un nom pour commencer. On peut donc choisir des dates de début et de fin. C'est le fameux durée limitée ou illimitée. Si on ne met pas de date de fin, c'est que la campagne n'a pas de date de fin. Si ça vous évoque des choses, si vous avez utilisé l'outil, le formulaire COVID, c'est parce que cet outil-là est basé sur le socle d'OpenEdit. Hein. Je pense que dans ce cas-là, ça va vous rappeler peut-être des choses. À ce niveau-là, donc vous avez la possibilité de choisir donc, des sélections, éventuellement de filtrer en fonction soit du type d'objet, soit même d'aller chercher des noms d'offres spécifiques si vous voulez vraiment cibler tel ou tel objet touristique. Vous avez la possibilité de choisir quel sera le compte email qui va émettre les notifications. Vous pouvez également cibler les emails
que vous allez informer de cette campagne. Donc, soit c'est les emails, un email parmi une liste préférentielle dans la fiche, soit c'est les contacts, soit c'est les moyens de communication. Là-dessus, il y a pas mal de possibilités. Et puis, donc, c'est là qu'on va choisir ensuite le support finalement de la campagne, c'est-à-dire soit on peut choisir de proposer aux sociopros de saisir leurs informations directement sur le site web de la destination, par exemple. Soit on va aller chercher on va créer un formulaire de mise à jour simplifié, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps, pour leur permettre de, voilà, d'accéder de manière simple à la mise à jour de leurs données. Une fois qu'on a fait ça, on a la possibilité de définir les champs modifiables, donc qu'on va autoriser à modifier. Ça peut aller de simples champs texte à des choses très poussées. On va à chaque fois pouvoir définir les langues qu'on souhaite cibler. Et puis également choisir l'aspect, le cas échéant, si on a besoin, l'aspect à cibler pour la modification. Si par exemple on souhaite mettre à jour les images. Et puis ensuite, donc, ce qu'il est possible de faire, c'est de personnaliser les emails qui vont être envoyés aux sociopros dans le cadre de la campagne, donc ceux qu'on a ciblés juste au-dessus. Donc, vous allez pouvoir ici choisir l'objet de l'email, juste après le contenu du corps de l'email. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter un fichier, un logo qui apparaîtra en signature de l'email. Et enfin, vous pouvez indiquer ici l'adresse email qui sera notifiée au sein de votre équipe, qui sera notifiée des nouvelles saisies effectuées par les sociopros. Puisque l'outil génère des emails à chaque nouvelle saisie. Si vous ne saisissez rien là, ça sera les emails qui apparaissent dans les adresses référentes à PIDAE de la fiche correspondante. Mais comme c'est parfois des listes qui sont un peu longues, on a préféré vous permettre de personnaliser les choses là. Donc, par exemple, vous pouvez renseigner une adresse email ici. J'ai cliqué sur la signature. Une fois que vous avez fait ceci, donc votre campagne est prête à être créée. Et donc, vous arrivez à un écran où vous avez donc le tableau de bord de la campagne, en quelque sorte. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un souci. J'ai une GoToWebinar qui s'est manifestée, mais... Non, là, on voit rien, nous, à l'écran, Jean-Baptiste. Vous voyez mon navigateur, ouais. On voit bien ton navigateur, ouais. Il n'y a pas de problème. OK. Il n'y a pas, entre guillemets, de parasite dessus. OK, ben, je ne sais pas pourquoi il s'est mis ce qui est. Alors, j'en profite, Jean-Baptiste. Il y a une petite question qui est arrivée. Est-il possible de personnaliser les emails selon le type de sociopro? Si je pense, si tu envoies aux hôtels ou si tu envoies aux gestionnaires de musées. Alors en l'état, notre préconisation par rapport à ça, c'est plutôt de. À l'heure actuelle, l'outil, il fonctionne en fait par campagne et donc la personnalisation de l'email se fait au niveau de la campagne. Et donc de ce point de vue-là, notre préconisation, c'est quand même plutôt de créer dans ce cas-là une campagne par type de sociopro, par exemple, ce qui permet d'une part effectivement de personnaliser les emails, mais aussi même d'aller cibler des champs potentiellement différents, d'aller mettre des dates différentes. Enfin, c'est vrai que voilà, c'est plutôt ce qu'on préconise, sachant que la création de campagne, on le verra ensuite, elle est pas du tout limitée, que ce soit au niveau des campagnes ou des demandes de mise à jour, voilà, on encourage même plutôt les utilisateurs à s'approprier l'outil en faisant des campagnes. Voilà, on a déjà eu des utilisateurs qui ont créé plusieurs dizaines de campagnes pour une même période de temps. Là-dessus, l'objectif, c'est que ça reste flexible.
OK, donc si j'ai bien compris, en créant deux campagnes différentes, on peut mettre deux mails différents. C'est bien ça? De type Absolument. d'invitation. Voilà, donc je pense que ça répond à la question de notre utilisateur. Je te laisse continuer. Merci Cyril. Une fois qu'on a créé notre campagne, donc on voit qu'il y a ce tableau de bord qui s'est créé. Vous avez des petits indicateurs qui vous permettent de suivre l'avancement des réponses. Et donc, comme c'est une campagne qui a été créée dans le support formulaire simplifié, on va pouvoir aller consulter donc les formulaires qui ont été générés. Et donc là, encore une fois, on est sur un formulaire factice, on a mis notre logo. L'idée, c'est que ce formulaire-là soit mis aux couleurs de l'office de tourisme ou de la destination qui utilise l'outil. Donc un formulaire simplifié qui, encore une fois, peut-être vous évoque le formulaire COVID puisque c'est la même base. Hein. Et donc, il y a les champs qui apparaissent, qui sont ceux qu'on a sélectionnés tout à l'heure. Donc, le descriptif court en version française, version anglaise. Et puis, les champs illustration. Faire des modifications. Hop, donc le champ illustration permet d'ajouter des photos. Hop. Et donc, une fois qu'on a renseigné notre formulaire, il y a deux possibilités. Donc, le SocioPro a la possibilité de l'enregistrer en temps de brouillon parce que donc la saisie n'est pas terminée, qu'il souhaite revenir dessus, comme c'est souvent le cas, puisque en fonction de la taille du formulaire, il peut y avoir beaucoup de choses à récupérer. Et puis, donc, par contre, une fois que la saisie est considérée comme finalisée, on va pouvoir donc valider la saisie. Et à ce moment-là, il y a une étape donc, qui s'intercale, qui va permettre au SocioPro de renseigner son adresse email. Tout ça, c'est dans le but lui faire parvenir le document qui recense les conditions d'adhésion et de référencement sur le réseau Apiday. En gros, c'est tout ce qui concerne les droits à l'image, la réglementation RGPD. Et donc, on lui fournit déjà dans un premier temps le lien vers ce document-là. Et par ailleurs, donc, on lui demande de fournir un email afin qu'on puisse lui faire parvenir ce document qu'il ait une trace écrite en fait de cet envoi. Je vais juste changer l'adresse. Hop, donc si je finalise de ce côté-là la saisie, j'ai donc le formulaire qui est bien enregistré. Alors là, moi j'arrive sur le tableau de bord OpenEdit parce que j'étais connecté, mais le SocioPro lui a un écran de confirmation. Et puis, donc normalement, là, vous devez voir l'adresse, l'email qui a été envoyé au SocioPro, sur lequel on reprend donc, les fameuses conditions d'adhésion dont on va reparler juste après. Donc, ce fameux formulaire d'adhésion, en fait, il est calqué sur celui qui a été mis en ligne par le réseau Apiday. Vous avez peut-être vu dans la rubrique d'aide, il est voilà, vraiment calé dessus et il vous permet par contre d'aller renseigner dans votre espace utilisateur. Je vais basculer de l'autre côté, donc là, dans la casquette Office de tourisme, voilà, vous êtes en mode modification sur ce document et donc vous allez pouvoir renseigner les différents champs
pour personnaliser en fait le formulaire, enfin, en gros remplir les champs qui vous sont demandés sur ce formulaire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà parcouru, mais voilà, il Alors faut en logiquement, gros. Jean-Baptiste, il y a eu quand même pas mal d'alertes là-dessus avec les démarches RGPD. Et donc, logiquement, tout le monde est censé l'avoir lu, consulté, envoyé à ses sociopro. Voilà. Après, on espère que ça a été fait. Si ce n'est pas le cas, vous êtes potentiellement hors la loi. Bon, alors, du coup, là, ça fait potentiellement un moyen simple de revenir dans le droit chemin, puisque ce formulaire-là, voilà, il vous permet de renseigner facilement ce que vous souhaitez renseigner. Par exemple, la somme, le fait de choisir le montant maximum à verser, le fait donc de signer le document, le représentant de la structure. Ici, vous pouvez soit signer à la main comme ça, soit télécharger une signature. De la même façon, vous pouvez télécharger un cachet ici. D'accord? Renseignez également toutes les informations propres à la gestion des données utilisateurs, le DPO, enfin voilà, toutes les informations qui doivent apparaître sur ce document. Et donc, une fois que vous avez fait ça, m'occupe pas tout parce que ça serait long, mais donc, vous enregistrez ce document. Et donc, du côté du Sociopro, il voit apparaître donc les informations que vous avez renseignées. Et donc, il ne lui reste plus qu'à renseigner finalement sa partie, que ce soit sur la partie signature, cachet, pour que tout ça soit complet. Je crois qu'il y a une question qui est arrivée. Montrer. Oui. La question, c'est est-ce que l'on peut utiliser une campagne pour récupérer des informations dans les aspects API groupe tourisme d'affaires? On va vous montrer, mais effectivement, c'est possible. C'est vrai qu'on n'a pas inclus de champ de ce type, mais on va le faire. Là, tu l'as déjà. J'ai modifié la campagne qu'on avait créée, du coup. Si par exemple je veux travailler sur le descriptif court, le descriptif détaillé dans l'aspect hiver, par exemple, hein. On va faire un groupe, donc ils sont là, hein, c'est la liste de tous les aspects existants Ajouter tes tarifs. Alors, ajoutons les tarifs. Hop. Donc j'ai mis à jour la campagne. Et donc, on va aller sur un autre formulaire puisque le premier avait été soumis. Hop. Donc, ça, c'est le formulaire actualisé. Donc, on a notre champ existant, le descriptif détaillé sur l'aspect affaires, les tarifs, et puis des illustrations. Dans le formulaire, il est indiqué dans le contenu du mail d'insérer le lien du formulaire. C'est quel lien? En fait, c'est un lien, c'est le lien vers ce formulaire de modification. Donc, il est inséré automatiquement. Après, vous pouvez, si vous allez remanier on va dire le formulaire, le mail qui existe par défaut. Vous avez la possibilité d'insérer ce lien en fait où vous voulez. Mais c'est un lien vers la page qui s'affiche actuellement, qui va être envoyée à chaque sociopro. Alors, on va faire l'envoi en fait, parce que c'est vrai que. Et comment les formulaires sont envoyés? Ben, ils sont envoyés par mail en fait. Donc on va faire l'envoi comme ça, vous allez voir. On n'avait pas déclenché l'envoi parce que c'est vrai que
Essayer de tout balayer, mais effectivement, ça sera plus parlant comme ça. Donc, à partir du tableau de bord de votre campagne, en fait, hein, vous pouvez soit envoyer tous les emails d'un coup par le biais de ce bouton-là, soit envoyer un à un les formulaires, donc en fonction de l'offre que vous souhaitez notifier. Donc, par exemple, le formulaire que je viens d'ouvrir, si je fais l'envoi. Voilà. J'en reçois un email. Je ne sais pas si ça apparaît dans le partage d'écran, ça. Oui. Normalement, vous devez voir l'email du coup, qui contient du coup l'email qu'on a rédigé pendant la création de la campagne. Et donc le lien vers le formulaire de saisie, c'est celui que vous avez dans l'email. Et donc si je clique dessus, je reviens sur mon formulaire de saisie. Voilà, je vois qu'il est déjà 14h30, donc je vais quand même avancer un petit peu. Alors, donc voilà, vous avez normalement du coup vu toute la chaîne depuis la création de la campagne, l'envoi des emails, l'ouverture des formulaires, la saisie éventuelle d'informations, l'acceptation des conditions d'utilisation. Je crois qu'on le réévoquera rapidement juste après, mais j'en profite pour vous montrer. Il y a un petit formulaire d'aide en fait qui est inclus au niveau de ces formulaires-là, qui permet, comme c'est souvent le cas, voilà, de répondre facilement à des petites questions qu'il peut y avoir, avec des informations de contexte qui sont automatiquement récupérées, comme le type de navigateur utilisé par exemple, ou juste l'adresse du formulaire. Ce qui permet que ce soit pour vous ou pour nous, puisque ce formulaire-là, ensuite, il est envoyé par email à une adresse de support qui reprend à la fois l'office de tourisme, par exemple, et puis une adresse technique chez nous. Et donc, ça permet aux deux parties d'investiguer rapidement et souvent d'intervenir rapidement quand il y a besoin. Une fois qu'on a donc fait cette saisie et qu'on a transmis la saisie en tant que socio-pro, je prends la question. Vas-y, je t'en prie. Dans le cadre du formulaire COVID, les agents, pardon, les agents de saisie doivent reporter les informations réceptionnées dans la fiche habilitée adéquate à la main. Est-ce que dans une campagne, les informations se mettent-elles automatiquement à jour dans la main du Dans la fiche du prestataire, doit-on reporter à la main? Donc, on ne Alors, reporte pas à la main, il me semble, oui, le Sarah, formulaire COVID. je pense que là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a un problème d'usage. Oui? Et ce qui serait intéressant, c'est que parce que il n'y a rien à reporter à la main, ça se fait automatiquement. Du coup, peut-être que ça vaut le coup que vous nous disiez qui vous êtes et pour qu'on se mette en relation avec vous pour faire du support hors webinaire. Mais logiquement, il n'y a pas à faire ça, ça se fait tout seul. Tu voulais Normalement, compléter, Sarah? oui, bah, je sais ce que j'allais dire. Normalement, c'est automatique. On va vous montrer de toute façon la fin de la boucle. Mais je prends juste une autre question. Y a-t-il un nombre limité d'envois de mails par campagne? Non, on l'expliquera aussi tout à l'heure. Mais en fait, on a pris le parti de rien limiter. En fait, le nombre de campagnes est illimité, le nombre de mails est illimité, le nombre de données est illimité aussi. Donc, vraiment, l'outil est assez ouvert. Et personnalisé, vous l'utilisez selon vos besoins. Et voilà. C'est un outil qui se veut incitatif pour essayer de récupérer finalement un maximum d'informations possibles. Donc c'est vrai que dans cette optique-là, on s'est dit que c'était plus logique de laisser les choses ouvertes. Alors, peut-être montrer d'où. Si on veut donc essayer de finir boucler la boucle. Et peut-être que ça répondra donc à la question du report des données. Donc une fois que le socio-pro a fait sa saisie, donc on voit ici que voilà, le taux de réponse s'incrémente. Et donc on va pouvoir aller récupérer les informations de la saisie qui a été transmise.
Donc ça apparaît dans votre back office sous cette forme-là. Il y a un rappel donc de l'offre qui a été renseignée, un petit retour vers le lien, vers le formulaire, aussi un lien vers la fiche de Rapidae. Et puis donc ce qu'on va faire ici, c'est-à-dire la transmission de la demande, c'est ce qui va envoyer ce qu'on a renseigné dans Rapidae. C'est quelque chose qui est pour le coup fait automatiquement par l'outil. Là, dans le cadre de la démo, on va le faire manuellement, mais voilà, c'est un processus qui est envoyé automatiquement par l'outil toutes les N heures ou chaque nuit en fonction de vos attentes, de vos besoins. Vous pouvez forcer l'envoi manuellement, mais voilà, c'est automatique, donc il n'y a pas de report manuel à faire à ce niveau-là. Normalement, il n'y a pas de brouillon sur cette fiche. Par contre, il y a une question. Alors, effectivement, par rapport à l'extranet Rapidae, et puis peut-être que je laisserai Cyril compléter parce qu'il l'utilise plus souvent que nous, je pense, mais c'est effectivement un formulaire qui est déjà bon construit de manière tout à fait personnalisée, avec une charte graphique personnalisable. Il y a D'intégration. effectivement un lien privé qui est généré, qui permet aux sociopros d'y accéder sans devoir créer un compte ou s'authentifier. Il y a toute cette boucle d'intégration du document RGPD. Et puis, il y a le travail qu'on fait aussi au niveau des champs pour rendre les choses vraiment aussi simples que possible. L'intégration sur le site. Et puis, l'autre mode d'intégration se différencie encore plus, effectivement, de l'extranet Rapidae. C'est ce qu'on va voir juste après. En effet, là, par rapport à Rapidae, la différence fondamentale des solutions proposées par les sociétaires de la SIC qui font les trois présentations, celle d'aujourd'hui et les deux suivantes, c'est qu'ils proposent un système où il n'y a pas besoin d'avoir un compte utilisateur Rapidae pour le sociopro. Donc, c'est une étape en moins. Voilà. Même si le compte utilisateur Rapidae dans l'extranet a certains avantages parce qu'il associe automatiquement les fiches et tout ça. Mais globalement, on est bien d'accord que ça fait une solution simplifiée par rapport à l'extranet Rapidae. C'est pour ça qu'on voulait vous montrer les solutions tierces qui existent et qui proposent des choses malines. Alors, si on transmet la demande. Donc, à ce stade, l'outil a transmis la demande dans Rapidae. Donc, l'outil notifie au passage, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a créé la campagne, on a renseigné une adresse qui devait être notifiée pour éviter d'arroser toutes les personnes référentes Rapidae par email. Donc là, c'est cette adresse-là qui est notifiée que donc il y a eu une nouvelle création de brouillon dans Rapidae, à l'origine dont OpenEdit est originaire. Et donc à partir de là, il y a ce lien qui permet donc d'aller consulter le brouillon. Alors, je vais juste changer de navigateur pour avoir les droits. Donc, si je reprends ce lien-là, voilà, on voit le brouillon qui a été créé dans Rapidae. Donc, le brouillon qui a été créé dans Rapidae reprend ce qu'on a renseigné dans notre formulaire tout à l'heure, avec, enfin, là, c'est l'outil de gestion de brouillon classique. Et donc, cette partie-là, soit vous y accédez directement dans le lien que vous aurez par email, et sinon, ça se passe dans la partie demande d'API en écriture et demande d'écriture à valider. Alors, je vais répondre à une petite question, Jean-Baptiste. On nous pose la question de si on peut modifier le contenu.
Oui, bien sûr, c'est dans l'écran que vous voyez que vous pouvez intervenir si vous cliquez modifier le brouillon pour corriger les textes. Alors, il y a déjà eu ce débat dans un précédent atelier, hein. Vous êtes les seuls responsables juridiques aujourd'hui au niveau d'APIDAE, vu que c'est l'Office du tourisme qui valide. Et donc, si vous considérez qu'une info est fausse, par exemple, si on vous dit que l'hôtel est au bord de la mer alors que vous savez qu'il est à 10 km, vous pouvez le corriger, voilà, pour pas engager votre responsabilité. Donc c'est possible une fois que vous êtes dans la pile, dans le brouillon que vous voyez à l'écran. Et c'est recommandé de vérifier, ne serait-ce que pour aussi harmoniser les contenus, hein. Il y a certains offices. Alors, ils sont assez peu nombreux, mais il y a des offices qui ont des chartes assez strictes avec des éléments à intégrer dans les descriptifs. Et voilà, ils peuvent retoucher les éléments. Merci Cyril. Alors, donc, une fois que la demande a été transmise, vous, ce que vous avez au niveau de l'outil, c'est un écran de suivi comme celui-ci. Donc, vous avez un historique de ce qui s'est passé. L'outil historise vraiment tout ce qui se passe, que ce soit les saisies des socio-pros, depuis les brouillons jusqu'aux envois, les signatures de documents, voilà, les versions successives. Tout est vraiment historisé au niveau d'OpenEdit avant d'être transmis dans APIDAE. Donc, c'est pour ça qu'on peut aussi, comme on le voit ici, si vous décidez pour telle ou telle raison d'annuler le brouillon qui a été fait dans APIDAE, vous pouvez derrière, malgré tout, transmettre à nouveau la demande ou aller, donc si vous le souhaitez, aller modifier le formulaire vous-même, même si ça, c'est déjà moins courant, mais voilà, ça fait partie des possibilités. Et donc, voilà, une fois le brouillon validé, ben en fait, ça finalise la boucle de saisie dans ce support-là de formulaire simplifié. Si on vous montre donc l'autre support que propose l'outil, donc je repasse par la création d'une campagne. On va faire une campagne de mise à jour des informations touristiques. Et donc l'autre support, on en parlait tout à l'heure, c'est de proposer aux socio-pros d'aller mettre à jour les informations directement sur le support où elles sont diffusées, à savoir le site de la destination. Donc, on va créer pour cela une nouvelle campagne. Je vais me permettre de date de fin. Je reprends mes sélections de OpenEdit. Donc, l'email qui envoie les notifications. Je sélectionne les destinataires. Et donc, cette fois, on va choisir le mode de saisie qui est celui du site qui diffuse. Et donc, ce qu'on indique juste, c'est que dans ce mode de saisie-là, si vous souhaitez le faire fonctionner, il faut au préalable nous qu'on fasse le paramétrage nécessaire. Ça fait partie de la même licence hein, d'utilisation de l'outil, mais c'est juste qu'il y a un petit prérequis technique pour nous afin que ça puisse fonctionner. Et donc on va chercher. Je repars pas sur. Je redétaille pas tout. Et puis le tarif, par exemple. Donc, après, le principe reste le même, hein. On crée toujours notre campagne, on choisit les champs, on personnalise le texte de l'email. Et puis, je vais remettre mon email ici pour ne pas notifier trop de gens. Et donc, je crée ma nouvelle campagne. Comme tout à l'heure, on a une nouvelle campagne qui s'est créée, un tableau de bord. Et donc cette fois, on va aller, je vais prendre le lien et l'ouvrir dans un autre navigateur. Donc, quoi que je vais faire là, en fait.
Alors, c'est un, comme on est sur des scénarios de test, hein, c'est un site factice qui a été Emprunté, c'est monté bien. sur le gabarit du site de Savoie-Mont-Blanc Junior. C'est pour ça que vous avez cette ambiance colonie de vacances. Mais voilà, c'est une fiche qui reprend l'objet touristique qu'on a intégré dans notre campagne. Et donc, là, il faut imaginer que vous êtes sur le site de destination, sur la fiche de l'objet touristique que vous avez ciblé, du socio-pro que vous souhaitez inclure dans votre campagne. Et donc, par rapport à l'affichage classique, donc on a généré une adresse privée aussi, qui fait que, y a des petits boutons qui s'affichent ici en haut à gauche, qui vont permettre au socio-pro donc, de modifier ces informations. Pour ce faire, il va pouvoir cliquer sur ce bouton modifier les informations. Et à partir de là, les tarifs, voilà. J'avais dû prendre le téléphone aussi, voilà. Toutes les zones qu'on a ciblées dans la campagne deviennent modifiables sur le vol. Et donc, on va pouvoir aller modifier les informations de la même façon que tout à l'heure, via les formulaires simplifiés. Mais cette fois, donc, en faisant en fait comme si on naviguait sur le site et qu'on modifiait les infos en même temps qu'on les confirme. Il n'y a pas de tarif ce stade, donc on peut rajouter des tarifs comme on le souhaite sur le format du formulaire des tarifs habituels. Et puis de la même façon, on va pouvoir renseigner les informations du téléphone et potentiellement les autres champs si on souhaite les cibler. Alors, en revoyant passer à l'affichage le contenu du mail, constate que l'on peut mettre le lien du formulaire. Est-il possible de mettre d'autres liens, par exemple des liens vers le PDF, peut-être des adhésions, des liens vers le site internet si besoin, ou encore des petites jointes en plus? Alors, à ce jour, les liens autres, c'est tout à fait possible, que ce soit des liens effectivement vers d'autres documents que vous souhaitez faire passer au socio-pro ou des liens, voilà, d'autres ressources. Vous avez la possibilité de mettre votre logo pour agrémenter l'email. Par contre, l'ajout de pièces jointes libres à l'heure actuelle n'est pas possible. Ceci dit, c'est une demande qui nous a déjà été faite plusieurs fois, donc je pense qu'on va y venir assez rapidement. Le seul. En fait, au début, on ne la préconisait pas pour éviter en fait, que les emails tombent dans les spams. Donc, s'il y a pas, quand il y a des pièces jointes, c'est vrai que ce n'est pas très recommandé. Après, nous, ce qu'on recommande, c'est effectivement de mettre des liens vers des liens de téléchargement pour que le mail reste d'une part léger au niveau de son poids et qu'il ne tombe pas dans les spams. Oui, j'aurais tendance à vous dire la même chose. Faut garder à l'esprit qu'on n'y pense pas toujours, hein, mais il y a quand même une dimension écologique et consommation de ressources. Et voilà, nous, on fait souvent des envois à Savoie-Mont-Blanc sur des gros volumes. Et globalement, on a demandé à tous nos collègues de bannir les pièces jointes et de mettre plutôt des liens, alors avec Drive c'est facile, hein, mais Drive ou autre, pour que les gens aillent télécharger les éléments s'ils les veulent, parce que pousser des éléments non demandés, hein, voilà, on peut se poser des questions. Voilà, donc dans la pratique, même si demain vous prévoyez de le faire, mais c'est quand même mieux dans la pratique de mettre un lien pour que les gens aillent télécharger s'ils sont réellement intéressés et d'un point de vue environnemental, surtout si vous êtes qualité tourisme, vous devez faire des efforts sur ce point-là. Donc, on ne peut que vous inciter à avoir ce genre de pratique. Merci Cyril. Et donc, on a une autre question. Les modifications faites directement sur le site seront-elles faites aussi sur Appidelis? Oui, la réponse est oui, on va voir. En fait, le site, c'est un support de modification, mais derrière, la boucle est exactement la même. On pourra aller au bout de la démonstration. Ça.
Est-ce que la magie du direct va faire un beau détour? Oui, et on a une question en attendant, peut-être. Alors, le taux de réponse de retour des campagnes en moyenne est de combien avant relance, après relance? C'est une question qu'on nous pose assez souvent. En fait, voilà, nous, on propose un outil qui facilite la mise en relation. Après, vos socio-pros resteront toujours vos socio-pros, donc s'ils ne sont pas très proactifs, il faudra de toute façon les relancer à plusieurs reprises. Après, les taux de réponse avant relance, si je prends les derniers exemples, on est autour de 40%. Et après relance, on est autour de. Après deux relances, on arrive quand même à 90% en fait de réponse. Après, on va chercher, c'est vrai, vers la fin, les personnes qui ne sont pas très à l'aise sur Internet. Et on vous expliquera qu'il y a quand même un accompagnement pour vous permettre d'appréhender l'outil. Mais de toute façon, il faut un accompagnement pour que ce soit efficace. Aujourd'hui, sur notre territoire où l'extranet a été déployé, alors c'est l'extranet Apidae, hein, mais globalement, les offices du tourisme, après plusieurs collectes, étaient plutôt sur des taux de 20-30% de retour spontané, hein, mais c'est classique, hein, c'est-à-dire il y a toujours ceux qui sont à fond. On a le même problème, hein, nous, Savoie-Mont-Blanc, au niveau de nos offices du tourisme, quand on fait des demandes de mise à jour. Alors, à nos propres membres, comme des fois à l'échelle du réseau, pour vous annoncer un nouveau critère. Et il y en a qui viennent mettre à jour, alors que vous êtes des offices du tourisme et que vous êtes censés être hyper réactifs. Certains vont mettre à jour 12 mois après et on est obligé de les relancer 3 fois. Donc, on a tous les mêmes problématiques. En gros, l'outil, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Sarah. L'outil n'est qu'un outil et c'est plus vos relations avec vos socio-pros qui seront plus ou moins réactifs. Voilà, mais il ne faut pas s'attendre comment dire, à des pourcentages incroyables. voilà, si vous arrivez à 30-40% à la première, c'est déjà très bien. C'est tout ça de gagner et que vous n'aurez pas à faire à la main. C'est comme ça qu'il faut envisager les choses, quoi. De même que tout ce qu'ils vont vous envoyer, vous ne pouvez pas valider, hein, même si l'autre jour, dans les discussions, il y en a qui disaient, ben moi, on les laisse valider directement. Vous avez quand même intérêt à relire, parce que votre responsabilité est engagée, et avant de publier, parce que ben, ils lisent moins bien l'aide que vous, ou ils n'ont pas été formés comme vous, et vous savez où les choses doivent être mises. Voilà. Merci. Et donc, ça mouline de notre côté, hein, la magie du direct Ouais, ça nous joue sent des tours. Alors, une autre question. l'effet de la guitare. Est-ce que le socio-pro peut demander une mise à jour des données, soit par questionnaire, soit par le site quand il le souhaite, ou doit-il forcément attendre une campagne? Non, en fait, il ne doit pas forcément attendre une campagne. Si vous décidez que votre campagne n'a pas une date de fin, en fait, le lien que vous allez lui transmettre, que vous allez lui mettre à disposition sur l'intranet ou sur vos supports de communication avec lui, va rester actif de manière illimitée, indéfiniment. Et du coup, il pourra revenir régulièrement modifier soit dans le support site, soit sur le support formulaire quand il le souhaite ces données. Il restera tout le temps actif ce lien-là. S'il n'y a pas de date de fin de validité de la campagne. En fait, c'est une campagne illimitée dans le temps. Vous pouvez tout à fait mettre en place finalement différents types de campagnes en parallèle, des campagnes un peu ponctuelles, par exemple pendant la période de renouvellement des adhésions, et puis des campagnes un peu, on va dire, en tâche de fond, pour que chaque socio-pro ait à disposition un lien de modification en permanence valide, qui derrière lui permet de proposer des modifications quand il le souhaite. Ouais, j'ai l'impression que c'est le syndrome de Alors la là, démo, quand on c'est clique ça? sur valider, on repart sur le même fonctionnement que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il aura à saisir les conditions d'adhésion et à les signer, et ils nous seront renvoyés par mail. Voilà.
Du coup, Sarah, là-dessus, on peut dire aussi que globalement, comme ces boutons apparaissent, ça peut très bien être l'hôtelier, le prestataire d'activité qui vient mettre à jour, comme ça peut être, entre guillemets, un touriste qui navigue sur le site. Alors, ça, effectivement, c'est un troisième mode d'intégration. C'est vrai qu'on n'a pas présenté aujourd'hui. C'est la possibilité de laisser ce bouton modifier les informations tout le temps actives sur votre site. Et ça permet à n'importe qui, en fait, d'interagir et de vous suggérer. Alors, ça ne va pas modifier directement, mais de suggérer des modifications sur le site. Effectivement, c'est possible. Mais c'est vrai que ça ne s'adresse pas forcément aux socio-pros, mais au grand public. Ok, donc là, ce que je n'avais pas compris, c'est qu'en faisant une campagne, en fait, ils reçoivent un lien personnalisé qui les renvoie sur le site, et c'est depuis le Voilà. site qu'ils peuvent mettre à jour au lieu d'être depuis un formulaire, c'est ça? Exactement. Et donc, du coup, il n'y a que le socio-pro qui voit ce bouton modifié. Oui, ça, sur ce cas de figure-là, il n'y a que le socio-pro qui le voit, effectivement. C'est le fonctionnement par défaut, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est ce qui fait que l'URL qui est en haut là. Elle a en fait un jeton qui fait que il faut avoir ce jeton-là pour Pour que les accéder. boutons apparaissent. Sinon, la page apparaît normalement comme pour n'importe quel internaute lambda. Ok, alors il y a une petite question pour vous. Alors, Est-ce que les anciennes photos sont écrasées ou ajoutées? mais en fait, alors, je ne sais pas si on avait un exemple parmi ceux qu'on a vus. Voilà, en fait, les photos existantes dans un formulaire, dans le cas du formulaire, elles vont apparaître comme ça. Et donc, il est possible soit de les modifier, soit d'en rajouter, soit de les supprimer. Et donc, à partir du moment où on intervient sur ces photos-là, ben donc dans le brouillon qui sera créé dans APDA, ça reflétera ce qui a été fait ici. Donc, s'il y a eu des ajouts, ça sera en plus. Des modifications, des suppressions, ça apparaîtra tel quel dans le brouillon. Et pour être tout à fait complet, alors si je reviens donc sur ma campagne, donc vraiment hein, pour faire le parallèle, on a ici deux campagnes sur deux supports différents. Hein, ça, c'était sur le formulaire simplifié. De cette forme-là, d'accord. Et puis l'autre campagne, donc sur site, cette fois, on va vraiment modifier les données directement sur le site de destination avec des boutons qui apparaissent uniquement pour le socio-pro. Et là-dessus, si vous souhaitez voir rapidement, on va juste rajouter le champ d'image. Donc les images de la même façon, si on autorise le socio-pro à modifier ces images, donc sur cette page personnalisée là, une fois qu'on clique sur modifier les informations, voilà, le champ image devient modifiable aussi. Et puis donc vous avez la possibilité de, enfin, le socio-pro a la possibilité d'ajouter une image ici. Il peut aussi les réordonner de droite à gauche. On va rechoisir l'ordre, Supprimer ici, du coup. les modifier, les supprimer, agir sur le copyright. Donc, en fait, c'est vraiment le même principe, mais sur deux supports différents. Soit vous avez le formulaire simplifié, soit vous utilisez finalement votre site web Comme support. comme support pour que le socio-pro voilà, se sente peut-être aussi un peu plus à l'aise en manipulant les informations telles qu'elles sont déjà affichées. Je vois que le timing avance bien. Alors, je ne suis pas sûr que c'est. À mon avis, ça mouille encore. Ça, c'est l'effet démo. Donc là, la deuxième saisie a dû rester coincée dans les tuyaux, mais le fonctionnement est rigoureusement le même. Hein, c'est-à-dire que quand vous arrivez ici, vous avez finalement les demandes de modification, qu'elles proviennent d'un formulaire personnalisé ou du support site web de destination. Et c'est à partir de là qu'elles sont envoyées dans APDAE, toutes de la même façon, sous forme de brouillon. Une question.
N'hésitez pas à ouvrir votre micro hein, si vous voulez parler, présentez-vous et puis posez votre question. Si vous êtes timide, bien sûr, utilisez le chat, mais n'hésitez pas à ouvrir le micro, ça sera sympa. On va peut-être en profiter pour enchaîner sur la suite du Oui, support. mais du coup, on peut Alors, sur la question qui est posée, donc comment cela se passe pour mettre en place la modification directement sur un site Internet? Si on a déjà un site Internet, est-ce que c'est un plugin en plus à insérer? Comment cela se passe-t-il pour mettre l'outil en place sur le SI? Donc là, ça va nous faire une très bonne transition sur la suite du support. Pour répondre rapidement, et puis je laisserai la main à Sarah, mais en fait, le principe, c'est que si vous voyez un petit peu comment fonctionne, par exemple, Google Analytics ou ce genre d'outils, où vous posez un petit script sur le site web, et ben, OpenEdit fonctionne exactement de cette manière-là pour le mode sur site. En fait, vous avez un petit bout de script à poser, un peu comme un widget aussi, si vous utilisez la plateforme de widget. C'est le même principe, si ce n'est que ce script-là doit être présent sur toutes les pages des fiches APIDAE de votre site. Et en général, si vous utilisez un CMS comme WordPress ou Drupal ou ce genre d'outils, c'est vraiment un copier-coller à faire. Ça prend en général quelques minutes. Et à partir de là, l'outil est autonome pour détecter tous les contenus et s'auto-configurer. Pour que les choses voilà, fonctionnent avec des modifications directement sur le site. Donc la seule opération technique, c'est de copier-coller ce petit bout de script dans le gabarit de votre site de destination. Une question sur le formulaire simplifié. Toutes les infos saisies dans API sont-elles modifiables ou seulement quelques champs le sont? Alors, on peut dire que toutes les infos sont modifiables, tous les champs standards, privés, les champs thématiques, les aspects, les langues. Il reste une seule typologie de champ qui ne l'est pas, et c'est plutôt une restriction du côté d'API. En fait, c'est l'onglet gestion suivi de campagne. Ça, on ne peut pas le modifier. Donc là, on attend. Je sais qu'on n'est pas les seuls à avoir sollicité API pour le rendre modifiable en API. Donc c'est le seul champ sur lequel aujourd'hui on ne peut pas agir. Mais pour le reste, tout est modifiable. Donc là, sur la démonstration, on vous a montré un exemple avec une liste de champs qu'on avait paramétrés pour le déploiement pour un client en particulier. Après ces champs-là, donc on les revoit à chaque fois. Ça fait partie du paramétrage de l'outil avec chaque client pour voir si elles sont exhaustives ou s'il en manque ou voilà. Pour que ce soit le plus exhaustif possible. Et pour compléter ce point-là, il y a la question du multi-horaire qui Oui, peut-être aussi. aussi faisait partie de cette question-là. Alors le multi-horaire, on a une contrainte technique qui fait qu'on ne peut pas le traiter comme les autres champs, mais on peut malgré tout le saisir, puisque en fait on le fait finalement en deux temps. Pour les sociopros qui souhaitent vraiment saisir des horaires détaillés, on les invite à saisir leur période d'ouverture et ensuite, dans un deuxième temps, on leur envoie un lien qui leur permet de faire leur saisie multi-horaire comme vous le feriez dans APIDAE. Oui, alors tout ça, c'est indépendant parce que la contrainte est la même pour tous les prestataires, les fournisseurs de services qui proposent des solutions tierces. Donc ça, c'est indépendant de vos prestataires techniques. Aujourd'hui, ça dépend d'évolution de notre côté réseau APIDAE pour livrer les API qui vont bien. Normalement, il y a des évolutions qui sont prévues sur ces points. Si ça rentre d'un point de vue budgétaire, dans les semaines à venir, et on vous tiendra au courant. Voilà. Alors, du coup, on avance sur la démo. Pour être encore plus concret, donc on a souhaité aussi vous montrer des exemples d'intégration pour certains de nos clients. Donc, on a pris l'exemple des Haute-Vallée qui ont du coup, eux, opté pour une campagne mixte adhésion et mise à jour sur support formulaire simplifié. Et donc, ça donne ça. Du coup, hop. Donc le formulaire simplifié ressemble à ça, donc avec trois onglets, mes données, mon adhésion, mes documents et validation, et le fameux bouton
d'aide, donc aux couleurs de la destination, donc avec les informations qu'ils ont souhaité intégrer dans cette campagne. Donc voilà, les périodes d'ouverture, les tarifs, les illustrations, donc là c'est l'existant, et la possibilité d'ajouter des fichiers PDF. Donc si je valide cette étape, je vais arriver à la partie adhésion, donc l'outil gère aussi l'adhésion. Donc cette partie-là, on ne sait pas trop, on va pas trop s'étaler dessus parce que l'objectif c'était vraiment de rester sur les données APDI, mais en tout cas, cet onglet-là, ça fait partie aussi du paramétrage de l'adhésion, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un algorithme qui est calqué sur votre gestion des adhésions ou des cotisations, qui va précalculer en fonction de certains critères, si vous êtes à l'intérieur, le montant de l'adhésion. Voilà, si je mets 30 chambres, hein, ça va changer le montant. Je choisis la formule, hop, je valide. Et donc, on a essayé de dématérialiser le maximum de choses. Alors Voilà. ça, pour ceux qui sont à fond dans les starting blocks, là derrière leur écran, rassurez-vous, on va essayer de reproposer des ateliers HappyDay chez vous sur le thème des outils de gestion de cotise pour que vous puissiez avoir des démonstrations plus fines et plus pointues. Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'objet, c'était plutôt la collecte. Mais là, vous voyez que vous avez des outils qui sont liés et qui permettent de faire les deux à la fois. Voilà. Voilà. Donc là, typiquement, on peut joindre un certain nombre de documents. Donc là, pour les hôtels, c'était un CABIS. Bon, après, ce n'est pas obligatoire, il me semble. Et donc, après, ça vous génère votre bulletin d'adhésion. Oh, je n'ai pas ouvert. J'ai fait une bêtise, je cliquais trop vite. Non, c'est bon, ouvrir avec le. Voilà, pré-rempli. Et voilà, donc sur ce cas, donc voilà, c'était pour vous montrer un exemple. Vu que c'est. Tu peux me remettre sur. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer les campagnes. Alors, pour la partie disponibilité aussi, ça tombe très bien parce que c'est le deuxième exemple que je vais vous montrer. Voilà, donc là, c'était l'exemple des Hauts-de-Valais en déploiement formulaire. Ensuite, exemple de Thonon les Bains. Donc, Thonon les Bains gère des campagnes de mise à jour HappyDay et de disponibilité sur son site web. Donc, pour l'exemple d'HappyDay, donc comment. Hop. Ça va changer. Voilà. Donc, le support de Thonon, c'est son site web. Donc, il envoie des campagnes à ses sources pro qui reçoivent. Des liens de modification. Hop, je rends la modification active et je peux cliquer. Donc là, je ne veux pas modifier parce que c'est des vrais clients, mais pour vous montrer l'intégration. Et je peux ajouter une image, réordonner les images, les supprimer si je souhaite. Je peux agir sur les descriptifs, sur les trois langues, française, anglaise, allemande. Qu'est-ce qu'on a encore? Je peux modifier mes informations de contact. Et en rajouter, même si elles apparaissent pas sur le site, on profite pour ajouter d'autres infos pour en demander en tout cas les moyens de paiement. Tu montres? Juste pour faire une parenthèse sur les critères, la façon de gérer les listes de critères, on a donc des listes comme ça qui peuvent s'incrémenter en autocomplétion, en fait, hein, qui sont basées sur le référentiel HappyDay et qui nous permettent d'ajouter des critères, donc que ce soit des modes de paiement, du confort, des équipements, etc. etc. Là, il y avait La une question au question. passage. C'est quand même très intéressant de savoir qu'on peut faire les deux en même temps. Eh ben, merci. Je vais vous montrer du coup pour la dispo. Alors, la dispo n'est pas ouverte à tous. Ils l'ont ouvert à quelques hôtels et aux meublés. Donc, pour la dispo, comment se passe la saisie? En fait, ils reçoivent un lien de ce type qui va leur permettre en fait de mettre. De manière assez simple, de saisir une semaine ou un jour, c'est vraiment je clique, tac, tac, un par un, toute la semaine.
Et après, je valide. Alors moi, je ne vais pas valider. Et après, ça va s'insérer sur le site. Alors, c'est enregistré, c'est un lien avec AppIdéI, donc c'est enregistré sous forme de métadonnées dans AppIdéI, c'est-à-dire qu'on les enregistre pour chaque hôtel, pour chaque meublé. L'information existe dans AppIdéI et interfacée avec AppIdéI. Et après, donc, elle peut être affichée, nous, typiquement, donc on l'affiche, enfin, plutôt ton nom affiche ici, voilà, ce que vous avez vu, les dispos sur son site. Donc c'est sous forme d'un petit widget, mais ce widget est disponible pour être affiché sur d'autres types de supports. Typiquement, si le sociopro veut utiliser aussi ce planning sur son site web, vous pouvez lui donner la main pour aussi l'encourager à saisir l'information et l'exploiter sur son propre site. Donc voilà un exemple où on combine de la donnée API, de la donnée disponibilité, ou sur le premier exemple, c'était de la donnée cotisation et de la donnée API. Donc ça peut être au sein d'une même campagne. Alors, d'autres fonctionnalités de l'outil, donc on a des fonctionnalités d'audit. Qui vont vous permettre d'auditer vos données sur deux critères. Le premier, c'est la fraîcheur des données, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vous dire sur toute votre set de données, vous en avez tant qui ont moins de 1 mois, tant enfin, entre 1 et 3 mois, ainsi de suite. Et vous allez pouvoir, par exemple, créer une campagne ciblée pour, par exemple, les 120 qui n'ont pas été touchés, retouchés depuis 12 ans. Un autre critère est le taux de remplissage des champs. Donc, sur le même principe, vous allez pouvoir appliquer cet audit sur une sélection de données et on va vous analyser le taux de remplissage de vos champs. Et donc, par exemple, si vous vous rendez compte que les moyens de paiement ne sont pas renseignés de manière optimisée, bah, si vous le souhaitez, vous pouvez lancer une campagne sur les moyens de paiement. Donc, ça vous permet d'analyser la qualité, enfin, la complétude et la qualité de vos données et d'essayer de cibler au plus près enfin, les champs ou les fiches qui ont des faiblesses pour remonter en qualité. Alors, on l'a dit tout à l'heure, donc c'est assez, on va dire, c'est assez récent, pour dire les choses clairement. Mais on a mis l'accent là ces derniers mois sur l'aspect juridique parce que aussi le réseau affilié a juste titre incité dans ce sens. Et donc on a poussé un peu plus loin en fait que ce qui est demandé aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez vu, vous avez la signature en ligne pour être conforme au RGPD. Ce qu'on vous garantit avec l'outil aussi, c'est une traçabilité de qui a fait quoi, c'est-à-dire que toutes les modifications qui viennent, on sait qui les a réalisées, elles sont historisées et en cas de conflit, en cas de litige, on est capable de vous sortir bah, tous les éléments qu'il vous faut pour justifier telle ou telle modification. Je pense qu'il y a une question. Pour les disponibilités, cela est uniquement visible sur la fiche ou il y a une possibilité d'avoir une vue d'ensemble par type d'hébergement, par exemple. Alors, par exemple, dans le cas de Tounon, ils ont un moteur de recherche sur les disponibilités Ouais. qui permet d'exploiter cette donnée-là. C'est pour ça aussi qu'on l'inscrit en tant que métadonnée dans l'API et vous pouvez après l'exploiter sous plusieurs formes, soit en recherche, soit en visualisation. Donc il n'y a pas, ou fiche par fiche, ou même de manière regroupée. Elle est structurée et vous pouvez l'exploiter en fait. Je ne sais Donc pas la si tu veux. réponse est oui, on peut trouver les disponibilités sur les hôtels, sur un Voilà. site, grâce aux infos qui sont compilées et qui Oui. sont hébergées dans les métadonnées. Exactement. C'est bien ça. Et il y avait une question juste avant qu'on avait ratée, je pense. Est-ce que l'affichage des disponibilités peut être en front ou doit-il forcément passer par un bouton d'appel à l'action? Non, ça c'est vraiment le choix de Thonon de l'avoir mis dans un bouton supplémentaire, mais en fait, il faut le voir vraiment comme un widget. Vous pouvez tout à fait l'intégrer, l'afficher tel quel dès l'affichage de la page, ou le masquer initialement et l'afficher après avoir cliqué sur un bouton. Ça, c'est vraiment un choix d'intégration.
Alors, ensuite. Alors, on en parlait tout à l'heure. Voilà, nous, on simplifie nos outils au maximum pour que ce soit le plus simple pour vous et pour les sociopros. Cela dit, c'est important aussi de prévoir un accompagnement à la prise en main. Ça reste un changement et le changement, il faut l'accompagner avec tous les moyens dont on dispose. Alors, le premier levier, c'est vraiment, on prend le temps de faire des tutoriels vidéo personnalisés pour chacun de nos clients. On peut aller aussi un peu plus loin et faire pour chacun des types de clientèle. On sait par exemple que les meublés sont une cible assez difficile et donc voilà, on fait des tutoriels spécifiques pour eux, par exemple, que vous pouvez intégrer en tant que lien dans les campagnes et du coup, ils auront toujours ce tutoriel vidéo pour voilà, utiliser l'outil. Le deuxième point, c'est ce qu'on vous a montré, c'est l'aide en ligne intégrée au formulaire. Donc, ce petit bouton permet d'interagir avec les clients et puis permet aussi de collecter des informations techniques sur leur configuration pour nous permettre derrière, en cas de problème, d'agir efficacement. Le troisième point, bah, ça reste nous, hein, vos interlocuteurs. Donc, on est là en tant que support direct. Si vous rencontrez des problèmes particuliers, si vous souhaitez organiser des ateliers pour faciliter la prise en main, pour présenter l'outil, donc on est là pour vous aider, pour vous accompagner pour la prise en main de cet outil qui reste nouveau. Et donc, tout ce qui est nouveau au début, même s'il est simple, peut donner un peu d'appréhension, donc on est là et on reste mobilisé jusqu'à la prise en main de l'outil. Alors, ça nous semblait intéressant de vous montrer à quoi ressemble un planning type. Donc, ça commence toujours par la création d'un projet APD. Pourquoi, en fait, on pourrait travailler son projet APD, mais nous, on a plutôt choisi ce mode de fonctionnement-là pour la simple et bonne raison que c'est la préconisation d'APD, qu'on préfère rester sur cette configuration-là, et que ça permet derrière aussi d'être efficace dans le traitement et la maintenance de l'outil. Donc, suite à ça, nous, on va paramétrer l'outil pour vous le mettre à disposition rapidement pour que vous puissiez le tester et que nous, on puisse réaliser des tutoriels et mettre en ligne par la suite. Donc, le délai moyen est de 2 semaines. Ça peut être moins, ça peut être un peu plus. Ça dépend aussi de votre process de validation, mais globalement, le délai moyen est de 2 semaines. Et donc là, juste pour compléter, quand on dit mise à disposition de votre espace, en fait, ça consiste juste à nous dire quelles sont les adresses e-mail parmi vos comptes Akidae qui doivent accéder à l'outil. On les paramètre et à partir de là, vous avez accès à votre espace dans l'outil. Voilà, c'est aussi simple que ça par rapport à la question de tout à l'heure de l'intégration dans le SI. Alors, les tarifs. Aujourd'hui, donc, on fonctionne par licence annuelle qui comprend. En fait, qui comprend un certain set de données. Donc, si on part par exemple que sur de la donnée APD, on est à 950 euros hors taxes par an. Si on combine APD avec des adhésions, on arrive à 1250 euros hors taxes par an. Pareil, donc si on combine APD et disponibilité, on est à 1250 euros hors taxes par an. Et si on prend toutes les données, on est à 1500 euros hors taxes par an. Alors, la cerise sur le gâteau, hein, c'est que, en fait, nous, on a pris parti de ne pas limiter en fait, l'usage de l'outil, c'est-à-dire que vous n'avez pas de limitation au niveau du nombre de campagnes, ce qu'on disait tout à l'heure. Au nombre de. C'est vrai que je ne l'ai pas noté, mais c'était une bonne question. Le nombre des emails ne sont pas. On ne les comptabilise pas, ils ne sont pas limités. Le nombre de fiches non plus, le type de support et le nombre d'utilisateurs. Donc, on vous donne l'outil avec toutes les fonctionnalités qu'on vous a présentées et donc vous l'utilisez à volonté pour répondre à vos besoins. Alors, merci pour votre écoute. On vous a mis nos coordonnées si vous avez besoin de poser plus de questions. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, merci au réseau APD. Donc, je laisse la main à Cyril. Merci Cyril aussi. Et merci, Cyril. Eh ben, de rien, merci à vous. Alors, il nous reste quelques minutes, donc on va en profiter pour passer aux questions-réponses. Alors, pour que ce soit plus dynamique, si vous voulez activer votre micro, n'hésitez pas. Et puis, allez, on se fait encore 5 minutes de questions-réponses. Allez-y, ne présentez-vous et posez votre question.
Allez, un courageux qui se lance. C'était tout. Alors, j'en déduis que c'était très clair. Toujours pas de questions? On vérifie si on a répondu à toutes les questions. Je pense que ça a été fait au fil de l'eau. Je ne sais pas si Virginie a des questions derrière, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a des choses qui remontent. Est-ce que tu peux passer la diapo d'après, s'il te plaît? Oui. C'était merci, je pense. Ouais, il n'y en a pas une encore après. C'est fini? Non, c'était Ok, la dernière. bon, Il y en on avait a oublié de une. mettre les prochaines dates. Donc, je vous invite à aller sur. Est-ce que tu peux montrer Jean-Baptiste sur Agenda. le site Amiral, Apidae-Tourisme? Donc, sur la page d'accueil apidae-tourisme.com, je vous rappelle que vous avez accès à l'agenda avec les prochaines sessions. Voilà, bah, tu es dessus, descends voir. Voilà. Donc, vous avez les prochaines sessions. Donc, demain, ça sera Alp Software qui propose une solution comme OpenEdit de présenter sa solution. On aura ensuite les deux animateurs de l'Allier et du Vaucluse qui présenteront les formulaires Apidae Form et Apidae Form et Event. Ensuite, on aura Dahub, un fournisseur de services qui présentera également sa solution fin de semaine, ainsi que l'extranet de traduction. Voilà, ça va boucler le premier set Apidae chez vous de cet automne. Et on est en train de réfléchir si on propose quelque chose encore début décembre pour ceux qui le souhaitent. Est-ce que tu peux revenir en arrière sur la petite diapositive, Jean-Baptiste? Merci. Hop, celle d'avant où il y avait les. Voilà, vous avez ici hein, les infos, nos réseaux sociaux et tout ça. Et puis, je vous rappelle, hein, si vous n'êtes pas encore sociétaire de la SIC, vous pouvez le devenir avec le site de souscription. Est-ce qu'il y a des petites questions ou pas? Non, toujours pas. Eh bien, Jean-Baptiste et Sarah, je ne sais pas si vous, il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Nos contacts qui s'affichent actuellement. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, on peut aussi vous faire une démonstration un peu plus personnalisée si vous avez des questions en particulier ou si on n'était pas assez clair. Donc n'hésitez pas. Et merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter du début jusqu'à la fin. Donc voilà. Eh bien, écoute, a priori, les gens sont restés jusqu'au bout, hein. Il en a manqué quelques-uns par rapport à l'effectif initial qui était prévu, mais ceux qui étaient là sont restés, donc c'est une bonne nouvelle. Merci à ceux qui sont restés alors. Eh Merci bien, encore. merci beaucoup à tout le monde. Et puis, on se donne rendez-vous demain pour la suite. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Salut, merci.